Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme c'est dans le site. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau smartphone premium de Realme, le Realme GT Neo 3. Un smartphone qui a été annoncé il y a quelques jours, mais moi ça fait plusieurs semaines que je le possède. Du coup j'ai pu le tester, donc du coup dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo Hightech, je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, ce Realme GT Neo 3 est annoncé au tarif de 699 €. Alors, bien entendu, la version que je possède, hein, parce que là j'ai toutes les options, c'est la version vraiment la plus musclée. Vous avez un autre Realme GT Neo 3 qui coûte seulement 599 €, 100 € de moins. Je vous expliquerai à la fin de vidéo hein, pourquoi. Du coup, on va commencer par son design. Et bah, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très joli. On va commencer par la face avant. On a un écran qui est vraiment très bord à bord, borderless. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium. Ensuite, concernant le dos, bah ça c'est le design hein, à Realme. On a l'habitude d'avoir des designs un petit peu atypiques avec des dessins, des coloris un petit peu différents hein, par rapport à la concurrence. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, parlons des caractéristiques hein, de la face avant. Alors, on a une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, Realme a expliqué qu'ils avaient conçu leur propre puce hein, pour améliorer le taux de rafraîchissement, donc pour améliorer la qualité, hein, la fluidité hein, de l'écran. Ensuite, on a un petit poinçon juste ici qui est la caméra frontale. On est sur du 16 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, ce Realme GT Neo 3, hein, sur le papier, a de très bonnes caractéristiques. En réalité, pour ma part, bah, c'est très très bon aussi. Hein, c'est comme sur le papier. On a un écran qui est très lumineux. On a un écran qui a de belles couleurs, de beaux contrastes. Ça a été un plaisir hein, pour moi de tester ce smartphone, de regarder des contenus multimédia. En plus, on a un écran qui est vraiment très bord à bord, borderless. On a un écran qui est plutôt bien calibré. Donc voilà, franchement, pour ma part, c'est un sans faute, surtout pour ma part, par rapport à son tarif, parce qu'on est certes sur un smartphone à 699 €. Ça reste un budget élevé, mais on n'est pas hein, sur un smartphone à 1 000 €, donc on est quand même bien en dessous. Donc je trouve qu'on a quand même un très bon écran par rapport à son tarif. Ensuite, le 120 Hz est très très bon. On a une très bonne fluidité hein, lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez hein, sur les pages web, et surtout bien entendu pour le gaming, on a vraiment, on sent la fluidité, on sent une réactivité hein, au niveau de l'écran. Donc franchement, j'ai rien à dire. Ensuite, concernant la caméra frontale qui est juste ici, hein, de 16 mégapixels, bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une très bonne qualité. Je trouve qu'on a un bon niveau de détail. Donc, si vous aimez bien de faire des photos selfie, bah, ça sera le smartphone hein, idéal. Et concernant la sécurité, hein, le capteur d'empreinte qui est sous l'écran, bah, il fonctionne très très bien. Il est même très réactif, hein, je trouve. Donc, c'est voilà, c'est super. Donc, franchement, il n'y aura aucun souci hein, pour développer son smartphone très rapidement. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, petit rappel, on a trois capteurs. Le premier capteur, c'est un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de Sony, c'est le IMX766, qui est un capteur très connu, qu'on retrouve souvent sur des smartphones premium. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels. Et le dernier capteur, c'est un ultra macro pour faire des photos d'objets ultra près, où là on est sur du 2 mégapixels. Du coup, maintenant je vous donne mon avis hein, sur la partie photo. Alors, mon avis est plutôt bon. Alors, on va commencer par le premier capteur de 50 mégapixels. Ce que j'aime beaucoup hein, avec ce capteur, c'est qu'on a vraiment un bon niveau de détail. Lorsque vous zoomez dans la photo, on voit tout de suite qu'on a pas mal de détails. On voit aussi qu'on a un bon traitement photo hein, de la part de Realme. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des photos plutôt naturelles. On ne va pas sur de l'exagération au niveau des couleurs, on n'est pas sur de la saturation. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite aussi, concernant les photos de nuit, ben, on est sur un très bon capteur hein. Il capte énormément de lumière hein, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On a un bon niveau de détail hein, même en basse lumière. Donc là, franchement, c'est vraiment un très bon point hein, pour un smartphone quand même à ce tarif. Même si c'est vrai qu'on est sur un tarif élevé, ben, on n'est pas sur un smartphone à 1 000 €, donc je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Ensuite, concernant l'ultra grand angle, pareil, il fait de belles photos. Par contre, il s'en sort moins bien hein, dans les photos en basse lumière. Il s'en sort moins bien aussi même de jour. Hein. On a moins de détails, mais ce qui est tout à fait normal. Souvent, les ultra grand angles sont quand même en dessous hein, des capteurs principaux. Et concernant l'ultra macro, bah, je vous cache pas que j'étais plutôt déçu. C'est pas que Realme, mais souvent les constructeurs délaissent hein, ce capteur. Je ne sais même pas pourquoi ils le mettent. Souvent, c'est pour faire un petit peu la course au capteur, pour dire, voilà, on a 3, 4 capteurs. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai pas été séduit hein, par l'ultra macro.
Maintenant, parlons de la partie vidéo. Alors, petit rappel, hein, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Alors, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une très bonne qualité. Hein. Franchement, j'ai plutôt été séduit. Je trouve qu'on a pas mal de détails hein, dans la vidéo. On est sur des couleurs plutôt naturelles. On n'est pas sur de la saturation. Ça suit un petit peu comme la photo. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé hein, la partie vidéo. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la stabilisation. Parce que c'est vrai, hein, sur le marché, à 699€, souvent, le péché, c'est un petit peu la stabilisation. Là, pour ma part, on a une très bonne stabilisation. Alors, bien entendu, je préfère quand même le dire, on n'est pas sur la meilleure stabilisation hein, du marché. Mais pour son tarif, pour ma part, c'est plus que correct. Du coup, mon avis hein, sur la partie photo et vidéo est plus que positif. Hein, je trouve qu'on a une très bonne qualité. Si vous recherchez un smartphone pour faire de belles vidéos, de belles photos quand vous partez en vacances ou tout simplement vous êtes quelqu'un qui crée beaucoup de contenu, vous êtes créatif, et bah, franchement, ce Realme GT Neo 3 suffira largement. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous avez 12Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de MediaTek. C'est le Dimensity 8100 qui est compatible 5G. Ensuite, la marque a expliqué qu'ils avaient mis un système de refroidissement, qu'ils avaient retravaillé leur chambre à vapeur pour éviter les surchauffes et pour éviter hein, les baisses de performance. Alors, mon avis hein, pour les performances, mon avis est très positif. Hein, je vous dis tout de suite, on est sur un smartphone qui est vraiment très polyvalent pour faire des tâches gourmandes. Hein. Vous pouvez mettre pas mal d'applications multitâches, ça fonctionnera toujours très très bien. Vous pouvez utiliser des applications très gourmandes, vous n'aurez aucun souci. Pareil pour les jeux vidéo, vous savez très bien que j'adore tester les smartphones hein, avec des jeux comme Call of Duty Mobile parce qu'on peut régler les graphismes, on peut régler le taux de rafraîchissement au niveau de l'écran, voilà, on peut faire pas mal de réglages. Et là c'est très simple, hein, vous n'avez aucune règle, vous pouvez tout mettre au max, le taux de rafraîchissement, le graphisme, hein, tout fonctionnera très très bien. Et surtout ce qui m'a énormément surpris, c'est tout simplement que le smartphone chauffe très très peu. Franchement le système de refroidissement fonctionne vraiment très très bien. Aussi MediaTek hein, s'améliore aussi au niveau de la chauffe, donc je pense qu'aussi c'est la puce de MediaTek qui aide hein, ce Realme GT Neo 3 à moins chauffer. Donc franchement là j'étais vraiment plutôt surpris hein, de l'optimisation. Vous avez toujours hein, dans l'habitude de Realme le mode GT, là on passe au mode GT 3.0, c'est la mise à jour du 2.0. Pour les gens qui ne connaissent pas le mode GT, c'est tout simplement un mode où le smartphone va vraiment mettre toutes les performances que pour le gaming, donc pour votre jeu vidéo. Et c'est vrai que on ressent vraiment les performances, hein, vraiment quand vous faites des jeux vidéo, vous ressentez vraiment la fluidité, plus l'écran de 120Hz. Donc voilà, franchement, ce smartphone m'a plutôt séduit au niveau des performances, parce que si vraiment vous recherchez un smartphone en dessous de la barre des 1000€, là c'est le cas, on est à 699€, pour pouvoir faire tout tourner, et c'est ce Realme hein, GT Neo 3 qu'il faut choisir. Ensuite, concernant le stockage, on est sur du 256Go, donc ça fait quand même pas mal de place. On a aussi un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un bon point. La qualité de son est plus que correcte, donc parfait pour faire du gaming, parfait pour avoir des contenus multimédia, même si souvent, c'est vrai, je conseille de rajouter un casque ou des écouteurs pour être plus immergé. Ensuite, le dernier gros argument de ce Realme GT Neo 3 et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, hein, c'est la batterie. On est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 150 watts. En simplement 5 minutes, hein, vous gagnez déjà 50% et en 15 minutes, vous rechargez complètement de 0 à 100 votre smartphone. Donc, elle est là la différence. Hein, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, que j'allais vous expliquer la différence entre le Realme GT Neo 3 à 599€ et le Realme GT Neo 3 à 699€, et c'est la recharge, c'est ça la grosse différence. On a une recharge de 80 watts pour le modèle à 599 et pour le modèle à 699, on a 150 watts. Hein. On a vraiment de la recharge ultra rapide, donc elle est la grosse différence. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai plutôt été surpris de la recharge parce que c'est vrai que ça se recharge vraiment très rapidement. C'est une grande première, je crois, en Europe hein, d'avoir du 150 watts. Je crois que c'était Xiaomi qui détenait le record de 120 watts. Donc voilà, franchement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est un plaisir. Vous oubliez de recharger votre smartphone, hop, en quelques minutes, vous gagnez plus de la moitié hein, de la batterie. Donc voilà, franchement, j'ai été plutôt, séduit hein, de ce smartphone. Et surtout, l'autonomie est plutôt bonne. Hein. On tient largement une grosse journée avec une bonne utilisation en faisant du gaming, en surfant sur le web, regarder des vidéos. Vous tiendrez largement une journée, voire deux jours si vous avez une utilisation plutôt modérée. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du Type-C pour le recharger. Du coup, ce Realme GT Neo 3 m'a vraiment plu. Hein. Si je fais un petit résumé hein, de ce Realme GT Neo 3, les points positifs, c'est vraiment
l'écran, le design, comme vous pouvez le voir, on a un écran qui est vraiment très bord à bord, borderless. On a aussi un sans verre, ce qui fonctionne très très bien, un bel écran AMOLED. Donc voilà, il n'y a rien à dire hein, pour faire des jeux vidéo, pour avoir des contenus multimédia, c'est parfait. La partie photo est pour ma part très bonne hein, par rapport à son tarif. Hein, il est très polyvalent pour faire des photos de jour comme de nuit. Pareil, hein, la partie vidéo est vraiment bonne. Ensuite, les performances. Je trouve qu'on a un très bon processeur de MediaTek hein, qui permet aussi d'avoir un smartphone qui ne chauffe pas vraiment. Pareil aussi avec leur système de refroidissement, ça, je pense que ça a aidé. Donc la puce plus leur système de refroidissement. Donc ça, c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de smartphones haut de gamme qui ont le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Mais souvent, ça chauffe énormément. Et donc du coup, on n'a jamais vraiment les performances hein, du Snapdragon 8 Gen 1. Donc c'est peut-être, pourquoi pas, intéressant d'avoir un processeur qui est un peu en dessous, mais qui permet d'avoir un smartphone qui ne chauffe pas vraiment. Et donc du coup, d'avoir toujours des grosses performances. Donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, bien entendu, le gros argument, c'est la recharge de 150 watts. En 15 minutes, votre smartphone est complètement rechargé. Ça, franchement, c'est un bon point. Et en plus, bien entendu, sans abîmer le smartphone, hein, parce que Realme a quand même dit que le smartphone n'allait pas être abîmé jusqu'à 1600 cycles hein, de charge. Donc, ils ont réussi à doubler, hein, parce que souvent, on est entre 700 à 800 cycles. Donc, ils ont prouvé que c'est pas parce qu'on avait de la recharge ultra rapide que la batterie n'allait pas tenir et que la batterie allait mourir au bout d'un an, deux ans. Donc, voilà. Ça, franchement, c'est un bon point. Et ensuite, pour terminer, hein, ce qui est quand même intéressant de le savoir, c'est que lorsque vous achetez ce Realme, hein, dans la boîte, vous avez le chargeur hein, qui est fourni, hein, le chargeur de 150 watts, et aussi une petite coque en silicone pour protéger le smartphone. Donc je trouve ça toujours intéressant de le dire, parce que voilà, je trouve qu'on a quand même un bon petit pack hein, dès que vous achetez le smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Realme GT Neo 3. J'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.